Franchement, ils sont gonflés, les macronistes. Hein. Euh, parce que pourquoi on en est là Si on est dans le dur, c'est quand même que quelqu'un nous a emmenés dans le mur. Hein. Qui est responsable euh, du dérapage sidéral des finances publiques Qui s'est appuyé sur des prévisions lunaires Ce sont leurs choix budgétaires, leurs politiques fiscales. Alors, on aurait pu imaginer de leur part, non pas de l'humilité, ça n'a jamais été leur fort, mais au moins un peu de retenue. Mais non, tranquillou, comme si de rien n'était, les voilà qui donnent à longueur de journée depuis quelques jours. Des leçons de bonne gestion des deniers publics. Le pire, c'est que leur cynisme confine à l'absurde, car franchement, on n'y comprend plus rien. Voilà donc des membres du parti d'Emmanuel Macron qui se targuent d'être les gardiens du dogme macroniste et qui sont vent debout contre le budget d'un Premier ministre nommé par qui Par Emmanuel Macron. Un budget mis en musique par qui Par un ministre de l'économie. Un ministre des Comptes publics est défendu d'ailleurs par une porte-parole du gouvernement, tous trois membres du parti d'Emmanuel Macron. Donc il va falloir qu'à un moment, tous ces gens-là se mettent d'accord. J'ajoute pour la blague que pour tacler Michel Barnier, Gérald Darmanin l'accuse de retourner à l'ère socialiste de François Hollande, qui était conseiller à l'époque par qui Par un certain Emmanuel Macron. Donc vous voulez peut-être une définition de la politique aérienne Vous l'avez. Pourquoi Pourquoi ils font ça ben, On pourrait les créditer d'une forme de constance, hein, pas touche aux riches, et puis euh, la défense coûte que coûte d'une politique de l'offre. Mmh. Qui a produit, il faut le dire aussi, des résultats en termes de baisse du chômage. Même le Premier ministre l'a reconnu euh, hier soir. Mais il y a surtout derrière ça des agendas personnels. Gabriel Attal, on le sait, il rêve de 2027. Il veut se poser comme la principale figure du camp présidentiel. Et il veut donc, selon la formule, euh, faire entendre sa différence pour gérer, en gros, sa petite boutique. Quant à Gérald Darmanin, il fait payer à Michel Barnier le fait de ne pas l'avoir maintenu au gouvernement. On le sait, il rêvait du ministère des Affaires étrangères. Du coup, il n'arrête pas de lui glisser des pots de banane. Et lui euh, aussi ambitionne de jouer euh, les premiers. Euh, opposant de la minorité, donc ça devient un peu compliqué, euh, mais le voilà donc qui défend aujourd'hui les riches, il ne faut pas les toucher, lui qui se voulait le porte-parole de qui Des classes populaires, sacré tête à queue quand même. Hein. Mais est-ce qu'on est qu peut imaginer qu'il ne vote pas le budget ah bah, On peut tout imaginer depuis l'élection de Emmanuel Macron, je oui, vous le sûr ouais. mais euh, il y a fort à parier quand même qu'au moment du vote, tout le monde rentrera dans le rang, parce que ne pas voter le budget, ce serait quand même un acte de défiance qui fragiliserait le gouvernement, mais aussi par Ricochet Emmanuel Macron, et vous allez voir que après avoir tiré à boulet rouge, on les verra peut-être tirer à blanc. Merci Mathieu.